Hop là! Et nous revoilà après que les petites games sympathiques de Beben sur Counter-Strike Geo, que Global Offense. Nous revoilà non plus pour du Hearthstone cette fois, mais cette fois sur un autre jeu, un jeu où je vais bien m'énerver, un jeu où je suis très nul. C'est ce jeu-là. Total War Arena. Jeu qui est sorti en février, offline, qui est devenu en ligne en mars 2015. Je vais couper tout de suite le son. Tac. Je vais remettre le micro pour éviter les échos avec le jeu. Sinon, ça va mal finir. Alors, j'ai eu un petit bug récemment. Donc, du coup, j'ai été forcé d'être déco et de me reco. Et du coup, la partie se joue sans moi. Ça va être très rigolo. On va bien s'amuser sur ce jeu. Je le sens bien là, en stream. En plein fin de soirée. Tac, on reprend. Hop là. Eh ben voilà, c'est parfait. Synchronisation parfaite. J'ai mis mon casque, pouf, défaite. Ça va aller très vite. Tac. Tac. De toute façon, j'ai pas assez d'XP. On est parti. Alors, j'ai déjà bien avancé dans la partie par rapport au reste de la team qui sont très, 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 très en avance. Eux qui jouent tout le temps. Moi, j'ai jamais le temps à cause du travail. Entre monter le jeu sport en stream, entre jouer vite fait à Hearthstone et le travail, j'ai un peu du mal à monter aussi dessus. Mais j'y joue de temps en temps. D'ailleurs, vous m'avez peut-être entendu au moins une fois ou deux avec Karma pendant la semaine. Ce qui prouve que je suis quand même connecté de temps en temps. Bon, bah Total War Arena, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, vu que ils préfèrent me regarder moi plutôt que Karma par exemple. C'est un petit jeu de stratégie. On contrôle trois types d'unités, enfin trois troupes d'unités de notre choix. On peut choisir trois, comme moi, trois javelots. Mais on peut utiliser des épées. Trois troupes de fantassins par exemple. Nous avons des piquets, ceux qui ont des spécificités, j'expliquerai après. On peut utiliser des cavaliers, on peut utiliser carrément des machines de guerre telles que des balistes ou des catapultes. On peut utiliser même des archers si on n'aime pas les lances. On peut utiliser des arcs et des flèches. Il y en a à peu près pour tous les goûts, sachant que certains ont des points forts et des points faibles. Par exemple, les piquets sont avantagés sur les cavaliers qui, eux, aiment bien tuer les distants, à savoir les javelots et les archers qui, eux, aiment bien taper du. Alors, ou de la baliste et les catapultes, ou des épéistes, si on arrive bien à gérer et jouer avec eux, pendant qu'eux, ils poursuivent un troupe d'archers, nos autres troupes d'archers sont en train de canarder. Et tout, tralala. C'est des points forts, hein. C'est des trucs très compliqués, très stratégiques. Ça, c'est les points forts. Par contre, les défauts du jeu, vous allez voir au fur et à mesure. Déjà, une grosse, mais c'est normal. On est dans un alpha fermé, donc il n'y a pas beaucoup de joueurs. C'est la queue. Il y a 95 joueurs qui sont en queue. Sachant que ce sont des types différents qu'on appelle des tiers. Ça va de tier 1 à tier 10. Je suis tier 4. Le reste de la team est à peu près entre tier 6 et tier 8. Il n'y a que tier 5, mais je suis vraiment très éloigné par rapport à eux. Donc, du coup, ben, on essaye d'affronter pour l'équilibre ceux qui ont les mêmes tiers. Et comme il y a pas mal de T10 sur les 112, on va dire qu'il y en a à peu près 70 qui sont T10. Et les 30 derniers joueurs sont entre le T1 et le T9. Donc, on attend les T4. Tous les T4 qui auraient fini leur match. À 2h du matin, ça va être compliqué. Enfin, à 1h du mat. Alors, je voulais pour patienter activer le démineur, mais le deuxième défaut du jeu que je viens de découvrir aujourd'hui, c'est que le jeu n'aime pas quand on ouvre un autre jeu. Il y a DirectX qui pète un câble quand on joue à plusieurs jeux différents, dont celui-là. Donc, du coup, je peux pas faire de démineur. J'ai obligé d'avoir ce magnifique écran et d'attendre que les pourcents augmentent. C'est encore plus frustrant qu'un téléchargement. Parce que lors d'un téléchargement, au moins on a quelque chose, alors que là, on arrive à 100% après 5-10 minutes de queue. Et là, on se dit, est-ce que je vais gagner ou est-ce que je vais perdre? Si je perds, j'aurais attendu pour rien. Allez, 80%. On est redescendu à 4%, je sais pas pourquoi. On commence bien ce stream. Je ne m'aime pas.
Je vous le dis d'avance, je n'aime pas ce jeu et ce jeu ne m'aime pas. On a beaucoup de choses en commun, on ne s'aime pas déjà. Parce que moi, il arrive que je le troll et lui, il me troll aussi, donc... c'est une grande histoire d'amour, ce jeu et moi. Et j'en connais 2-3 de la team, heureusement qu'ils sont pas sur le chat de Twitch en train de regarder. Ils seraient déjà morts de rire au moment où je vous parle que je stream ce jeu. Surtout que c'est à karma de streamer ça, parce que... Je sais même pas si pendant les streams, on m'a entendu crier plus d'une fois, d'insulter les gens de tous les noms. Mais là, non seulement vous allez voir la voix, mais en plus le visage que j'ai. Déjà que j'ai critiqué la file d'attente, alors il m'a fait descendre à 5%, c'est moche. Ça m'enrhume. D'ailleurs, ça me laisse le temps de changer le titre. Ça sera bien. Avec un truc comme ça. Tac. Excusez-moi. De toute façon, on a rien d'autre à faire qu'à part se moucher. Je veux même pas lancer un autre jeu, c'est nul. J'en saigne du nez, dis-moi. Bon, bien sûr, vu l'heure, ça fait dodo, hein. Voilà, ça fait dodo. Julie, il fait dodo. Karma, il fait dodo. Chiro, il fait dodo aussi. Non, c'est Chiro, il est... Il doit être chez Lumine. C'est Lumine, s'il est là. Il a tout juste installé. Coin-coin, il est là. Il doit peut-être jouer à un autre jeu aussi. Il y a Karma aussi qui est là. Mais Karma, il doit être occupé lui aussi à un autre jeu. Je vais pas les embêter. N'allons pas embêter. Ils ont peut-être du travail. On attend encore. Alors, le deuxième défaut du jeu, c'est de la liste d'attente tout seul. C'est pénible à regarder en stream. Là, il faut inviter 3-4 personnes et là, tu racontes ta vie, tu te fais plaisir. Tu vas voir le chat. Il n'y a personne, il n'y a même pas de viewer. Un petit message tout gentil en attendant. De toute façon, ça sert à rien, je vois pas. Je vous le dis d'avance, j'ai essayé de mettre en mode fenêtré, c'est horrible à regarder. Là, je vois absolument pas le chat. Pourquoi pourrait être un autre défaut du jeu? Il y a tellement de défauts que je trouve dans le jeu, c'est pour ça que je l'aime pas. Voilà, je suis à 100%. Ça y est. Et cette attente va nous coûter une défaite. Voilà, je vais une game session, c'est bien, on est content. Une fois que c'est à 100%, c'est rapide. Mais il y a encore le chargement de la map, allez, deuxième chargement. Mais celui-là, il est rapide. Alors, Salernum, ouais, c'est la ville. Une petite ville, une petite colisée, là, on va se battre tout autour du colisée. Un autre passage avec des forêts, vous allez voir comment va marcher le jeu. Pour ceux qui n'ont pas suivi nos aventures avec Karma, je fais une séance de rééducation, un rappel. Pour les nuls, fait par un nul. Ou pour les noobs, fait par un noob. Un noob qui est T4, faut faire gaffe. Donc en fait, on n'a pas 100% d'attente, mais on a 200%. Bah 100% l'attente du matchmaking, et encore 100%... le chargement de la map. Je vous ai parlé d'un autre défaut qui est de... On est limité à 4 par groupe. On peut pas mettre 10 joueurs de notre team ensemble. Alors c'est pas fun quand on est 5 ou 6 à vouloir jouer en même temps. Bon là ça va, je suis tout seul. Donc il n'y a pas besoin de groupe.
On est en haut. Donc voilà. Donc 12 numéros. Faut choisir où est-ce qu'on va se placer au départ. Donc les placements sont toujours les mêmes, sauf que c'est le premier arrivé, premier servi, vu qu'on se connaît pas. Par exemple, le mec il est en 5, il veut attaquer par là. Moi je vais plutôt me balader en 10 ou en 4. Alors en 3, qu'est-ce qu'on a en 3? D'accord, en 6 c'est des épées, ouais, il y a beaucoup de cacs. Hein. Les cacs vont se battre ici. Là il va y avoir des cavaliers, donc je vais pas m'approcher. Moi j'ai des lanciers. Je vais plutôt me balader dans cette zone-là. Là où il pourrait y avoir du combat, il va y avoir des piquets anti-cavaliers, quelques cavaliers sans plus. Le plus gros combat va être là-haut, là, je connais pas trop. Plein de forêts pour se cacher. Mais... On n'a pas d'artillerie par contre, ça c'est nul. Pas de grosse distance. Et donc une fois qu'on a placé nos hommes, voilà ce qui se passe. Donc on a nos trois groupes. Et le but c'est de survivre, hein. C'est de tuer les autres et essayer de tenir parce qu'on a que ces trois groupes pour toute la partie. Ou peut-être plus s'il y en a qui déco. Par exemple, là on va regarder tout de suite s'il y a des décos. Non, il n'y en a pas. Très très bien. On va essayer d'appliquer tout ce qu'on a appris avec Karma, Julie et tout ça là. Allez. Par exemple, là, j'ai fait exactement ce qu'il faut pas parce que je suis devant. Maintenant, je vais faire la visio. Là, on a des trucs bien. Allez, première attaque. Maintenant, recule, 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 recule. T'as tapé, maintenant tu recules. Tu recules, tu fais un petit. Un Vini, un Vini. Non, on peut pas faire Vini. Ok, c'est bien. Tu l'as vu, 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 tu l'as vu. Tu l'as vu, tu l'as vu la focus. Ok, on recule, on recule, on recule, on recule. T'es tout seul, tu peux pas te taper. Tu peux pas taper. Par contre, on va faire ce genre de truc. Oula. Les artilleurs sont en train d'attaquer. Putain, ça défonce. Ok, ok, ok. Il va y avoir du friendly fire. Attention, c'est parti, friendly fire. Friendly fire de malade. Bip, 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 bip. Allez, allez, allez. Oula, friendly fire sur ma propre poire. Friendly fire sur ma propre poire. Faut courir. Fuis de l'autre côté. Je fais quelque chose. Je suis en train de faire du friendly fire de malade parce que je peux pas bouger. Oh là là, je veux pas passer par là. Je ne veux pas passer au travers. Ok, 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 ok. On bouge, on bouge, on bouge, on bouge. On bouge, bouge, friendly fire. On bouge. Oh là 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 là, quelle horreur. C'est bon, je peux bouger ceux-là qui ont arrêté de fuir. Bon, bah là, je peux pas attaquer. Parce que je fais du friendly fire. Des artilleries là-bas. On est par là. Donc, mine de rien, je fais du que de la crotte, mais ça va, j'ai une bonne team. Pour l'instant. Là, faut vraiment les dépop, ceux-là. Ils sont en train de fuir comme des lâches. Vite, courons. Oh là, mais c'est quoi cette équipe? Pourquoi j'ai un gars qui est là et deux gars qui sont là derrière? Oh, c'est toujours. C'est toujours pareil ces games. Je me plains constamment. Mine de rien, j'ai pas fait beaucoup de pertes. Par contre, j'ai marqué des points. Oh, je suis deuxième. C'est ce qui me paraît un peu étrange parce que je joue mal. Est-ce que j'étais tombé sur une team finalement qui serait bien pire que moi? Il est possible que oui, vu qu'il y a plein de cacs ici, ils veulent pas attaquer là. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Je vais faire un béni, il faut que je fonce là. Allez, chaud. J'utilise rarement les pouvoirs, mais ça faut pas le dire, Julie. Que ceux qui sont en train de voir, si vous croisez Karma, vous lui dites pas que j'utilise pas mes pouvoirs spéciaux, sinon il va encore m'enguirlander que je suis trop nul. Pourtant, c'est la vie. Hein. Bon, ça n'a pas trop l'air dangereux ici. D'accord. Oh, je sais que je me fais des pop. Je vois pas de flèche, je vois rien. Je vois des pièges peut-être. Ah, c'était ça les pièges. Oh. Méchants artilleurs. Je l'ai pas vu. Je vois rien. Encore un défaut du jeu. Je ne vois rien du tout. C'est plus ma faute qu'autre chose. Alors là, ce qu'on va faire, c'est. Si ça l'aide pas, c'est de faire trois groupes de la mort. Et s'amuser à troller totalement ces petites troupes qui sont là.
Par exemple, là, je fais du friendly fire parce que monsieur n'a pas compris que j'étais en train de les attaquer. On aimerait bien que ça. Voilà. Faut bouger par là, par là, par là, par là. Je fais du friendly fire de la mort. Oh là 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 là, je suis tout à l'envers, je suis tout de tension. Non, c'était groupe 3. Et pourquoi le groupe 2 est là-bas? Vite, fuyons. Toi, attaque là. Toi, va par là. On va jouer avec eux. Ah, oh, je suis en mode fuite. Non, 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 par là, par là, par là. Oh là là, je suis cercle de partout. Vas-y, on va tuer ça parce que ça devient pénible. On va au moins faire quelque chose. Bim, 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 bim. Allez, t'es mort. Ok, on fait des trucs. Ok, on s'est fait rouler dessus. Où sont mes troupes? Il reste des troupes normalement. Non, il n'y en a plus. Il reste plus que la troupe là. On va l'achever celui-là. Bim! Vini! Vini, Vini, vas-y, go la charge. Go la charge ici. Go la charge. Augmenter mes. What? Oh, je me fais attaquer par des archers de la mort. On est en train de perdre. Je suis troisième, ça va. Par contre, il y a des archers partout. Fais péter, fais péter, fais péter. On a une bonne distance. Voilà, le temps qu'il fasse demi-tour. What? Mais il y a des épées, ils tirent avec des flèches. C'est pas normal, ça. Oh là, toute l'armée qui nous roule dessus. Le truc, il y a le symbole épée. Waouh, je peux d'accord. C'est les lancers qui sont derrière en fait. On va go mourir, hein. On va s'en parler, c'est tout. Faut qu'on fasse demi-tour, qu'on leur tire dessus, hein. On peut mourir. Voilà. On va marquer des points, on peut pas. On peut rien faire là, c'est juste rouler dessus, c'est tout. Ce jeu est nul. On a tellement loose. Quoi que, qu'est-ce qui se passe ici? C'est tellement mieux cette partie du jeu où tu joues spectateur et que tu regardes des friendly fire de partout. Les cavaliers qui sont en train de tuer. Et là, il y a encore deux troupes d'artillerie. Ouais, on est mort quoi. Il y a 800 à 1000. Niveau point, ça va, on est deuxième, on est très bien. Ce qui prouve que on a un problème quand je suis deuxième. C'est pas que j'ai bien joué, c'est que les autres ont vraiment mal joué. Je ne sais pas pourquoi. Par exemple, ça, je sais pas à quoi ça sert. Je ne comprends rien de ce jeu. Voilà, ça aussi, je sais pas du tout à quoi ça sert pour l'instant. Ça aurait pu servir. S'ils savaient qu'ici, c'est en train d'attaquer par derrière. Là, il y a, oh, il y a quand même des ressources ici. On n'est pas si mal que ça, c'est juste qu'on est un peu plus en défense quand on attaque. Par contre, il n'y a plus personne niveau ennemi. Alors, par contre, c'est le passage où on risque de vomir parce que je bouge la caméra n'importe comment pendant le stream. Adieu, l'artilleur qui traîne ici. Adieu. Voilà, le piqué qui est super rapide là. Allez, Cavalier qui fuit. Oh là là, c'est tellement bien joué ça. Ça fait une petite pichenette, mais bon, la baliste là qui va lui mettre tellement mal là. Bim, allez. Enfin, le temps qu'il se pose et tout, allez. Ça, j'aime pas les petites balistes. Il a toujours pas tapé. Il a toujours pas tapé. Toujours pas tapé. Je déteste les balistes. Bon, lui, s'il a pas attaqué, je comprends pas. Il est déjà tout posé et tout. Il est en train de défoncer tout là-bas. Le gros troupe, il faut qu'il soit totalement spoté du début à la fin. Parce que là, il se fait totalement cramer. Tout le monde crame. Oh là là, le taf du catapulte. Oh là là, les pertes en haut à droite. Oh, ça va leur coûter cher, ça. Et c'est pas fini, hein. Ça va encore faire péter le catapulte. Bim, allez. Un gros rocher. Bam, à côté. Adieu, les pics. Il faut garder le spotting le plus longtemps possible. Il faut que le catapulte fasse le travail. Oh là là, ça a touché un peu. 946, ça a quasiment pas touché finalement. Là, dans les arbres, il y a encore du monde.
Oh là là, les cavaliers qui servent à rien. Par contre, des lanciers, pourquoi pas. Bon, j'espère que les piquets, oui, digèrent. Par contre, la catapulte, il va tirer. Est-ce qu'il tire? Tire, 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 tire. Tire, tire, tire. Qu'est-ce que tu fais? Tire, tire. Oh, que c'est lent. Trop tard. Ça touche dans le vide, ça a touché. Un gars. Il reste 943 hommes à gérer. 142, 41. Ça doit taper. Ça doit taper, ça doit taper, ça doit taper où? Je sais même pas où ça tape. Je crois que la moitié sert à rien. Ah, ça y est, il y a les archers qui sont là en renfort. On est en défense, on n'est plus du tout en attaque. Sachant qu'il y a 3. On est à 900 à 600, il y a presque 2 fois plus d'armée. Il y a 1,3 fois plus d'armée que nous. Ce qui n'est pas beaucoup, hein. C'est pas une grosse grosse différence. Mais il faut absolument que la catapulte gère les lanciers qui arrivent là. Un petit coup dans le feu. Les archers, les archers, les archers, vous êtes où? Vous tirez les archers? Mais non, ils tirent pas. Adieu, mon cruel. Oh, les cavaliers sur les piques, les piques, les piques, les piques. Non, pas le lancier. Oui, les archers qui tirent de loin. Oh, la portée. Oh, la portée de malade. Et hop, le catapulte qui tape là, c'est bien. Bon, par contre, on est en train de perdre. Wow, il y a une grosse attaque ici. Oui, oui, oui. Oh! Bon, bah, il n'y a plus de catapulte. Il s'est auto-détruit, je sais pas pourquoi. Bim, un coup de rocher. Voilà, c'est là, c'est en déroute. C'est par contre des archers, je veux qu'ils tapent là-bas. C'est bien. Regardez, après, il y a des épées derrière. On est bien. Oh, les épées qui foncent dessus en plus. On n'est plus deuxième. Si, c'est qu'il y a un gros problème si on n'est plus deuxième. Bon, il reste 700 à 400 malheureusement. Ou les cavaliers qui vont faire le tour. Il y a que des épées, il n'y a pas de piques. Les épées qui sont en train d'attaquer les piques derrière. La catapulte, il n'y en a plus. Non, il n'y a plus de catapulte, il n'y a plus que quelques épées. Mais ils sont cerclés avec les cavaliers ici. Tandis qu'ici, ça essaie de venir en renfort. Les lanciers qui font tellement de travail. Faut faire le tour, 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 faut faire le tour. Oh, il y a des catapultes ennemies, c'est les deux troupes. Oh là là, on est tellement mal. On est en train de capturer en même temps. Regardez, où sont les bras cassés? Alors, je sais même pas où est notre base. Là, non, c'est pas ça. Si, non. C'est notre base, ça? Si, c'est notre base. Voilà, c'était ça qui capturait. Alors là, on a une troupe qui sert à rien. Là, figurant. Dégage. Là, figurant numéro 2. Oh là là. À force de bouger la caméra et les coups de vent, j'ai attrapé un rhume. Ça bouge. C'est bien, on a attendu au moins 15 minutes de file d'attente pour se prendre une grosse déculottée. Voilà. Je résume à peu près le jeu Total War Arena quand on sait pas jouer. Parce que quand on sait jouer, ça trouve le cul, ça, ce jeu. Quand on sait pas jouer, ben, on s'ennuie beaucoup. Ouais, 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 les derniers troupes qui fuient, ça c'est rigolo à voir. Bon, c'est les nôtres, c'est un peu moins drôle, mais voilà. Oui, allez, cavaliers, chargez. Voilà, on déroute, tranquille, peinard. Même pas les archers. C'est ça que je trouve nul dans ce jeu, c'est que t'as les archers qui sont mid-life, ça a plus de vie, et ça détruit les archers mid-life. Il y a quand même une grosse inégalité sur les troupes. Entre les points forts et les points faibles. Je vous le dis, j'y ai eu le droit. J'étais full. Enfin, j'étais pas full, mais j'avais quelques lanciers. Le mec, il avait deux cavaliers. Les deux cavaliers, ils ont fait toute une armée. Et ne me demandez pas pourquoi. Je veux bien que les cavaliers, ça soit fort contre les lanciers. Mais quand il y a beaucoup plus de lanciers qu'il y a de cavaliers, les lanciers devraient gérer quand même. Bon, allez, une déculottée de plus. On les passe après. De toute façon, j'adore le rouge. C'est mieux que le bleu. Cet écran noir ne dit rien qui vaille. C'est bon. Alors, voilà, voilà. C'est histoire de monter quand même, rattraper. Ce qui compte, c'est ça. Hein. C'est d'XP, améliorer les troupes, passer T5. Avoir enfin des catapultes, même si on m'avait recommandé le T5, mais finalement j'ai trouvé ça nul parce que ça a une portée encore plus
aussi courtes que des archers. Ah, mais les petites balises tout pourries. C'est mieux, les gros catapultes, ça se voit, ça fait tellement le taf. Ça a 400-500 de portée. J'aime bien quand tu as avoir une longue portée. Mais bon, moi j'ai mis ce lancier à 52 portée. Quand je vois des archers qui font 152 portée parfois. Je me dis, est-ce que c'était une bonne idée? Bah oui, pour les catapultes. Sinon, je monte full XP, je passe T3, non, T4, T3 ou T4? J'ai confusion. C'est le T4 celui-là. Ouais, c'est le catapulte T4 qui a une range de 400. Voilà, ça c'est bien ça. Pas ça. Là, c'est ce qu'on m'avait recommandé. Ouh! Ouh là là, respect! Sympa la file d'attente. C'était rapide. Là, je dis respect. Oh, c'est la même map. Je sais même pas où je dois me mettre. Je me suis mis au niveau du Colisée tout à l'heure. On a fait beaucoup de points. Le problème, c'est que j'ai pas vraiment servi. J'ai fait du Friendly Fire. En attente des autres joueurs. Pour une fois que ma connexion tourne bien. Pour une fois. Ah oui, j'ai une grosse perte d'image aussi. C'est parce que je change à chaque fois. On est en bas cette fois. Ah, oh, on m'a piqué le mien. Ah, oh. Bah, je me mets en 7, tiens. Alors, un truc rigolo, c'est qu'on peut s'amuser à faire voilà, des petits dessins bleus pour dire où est-ce qu'on peut attaquer. Ou alors on peut troller carrément en faisant des jolis petits bateaux. Moi j'aime bien faire des petits bateaux. Il était un petit navire. Et après, il y a le chat pour dire ce qu'on peut faire. Voilà, ça, c'est une qualité, ça j'aime bien. C'est rare que je trouve des qualités sur ce jeu. Ça m'empêche pas de continuer à y jouer. Hein. C'est pas parce que ce jeu a des défauts qu'il est nul. Loin de là. C'est justement parce qu'il y a des défauts que c'est rigolo, parfois. Et le défaut principal, c'est que je suis nul à ce jeu. Bon. Alors, pareil, hein, répétitif. Voilà, encore un défaut, c'est répétitif. Enfin, c'est répétitif, je me dis, le début est répétitif, vu qu'on se place, on arrive. Et après, c'est en fonction de ce que tu es tombé en face que tu dois gérer. Waouh, c'est la première fois que je vois ça. Full cavalier. Enfin, full cavalier, gros troupe de cavaliers plus épéiste. Oh là là, faut que je fasse le tour vite. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je crois qu'il va falloir quand même un peu de troupes ici. Parce que là, ils vont se faire prendre en flanc. Il va falloir que j'accélère. Allez, venez! Ah oui, il y a du full cac. Mais il n'y a pas de distance. Si jamais il y a des distances en face qui arrivent avant nous, on est mal. Parce que là, il y a peut-être les cac. Oh putain de mercredi! Oh là là, piqué, archer et cavalier. Au revoir. Mais je suis totalement mort là. On est bien d'accord, c'est la faute à pas de chance. Et vas-y que ça vient sur ma foire. Et cavalier. Cavalier qui fait rien du tout. Go, 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 go. Il est piqué là. Les épées. Pas grave s'il y a du friendly fire. Bouge, saleté. Friendly fire de la mort. Faut que je fasse le tour. Parce que là, je suis en train de me faire défoncer par des archers tout moisis. Oh, on court, on passe au travers. On passe au travers, on s'en fiche. C'est le friendly fire. T'as été tout seul en plus. D'accord. Heureusement que je t'ai sélectionné, hein. On se replace. Les cavaliers qui sont en train d'attaquer là. Attention. On a des cavaliers avec nous de toute façon. C'est en train de capturer. J'espère qu'il est pas AFK l'autre.
J'espère qu'il a bien vu qu'il y a des cavaliers en face. Je peux rien faire, moi. Cavalier, c'est pas la peine que je m'approche. Par contre, j'aimerais bien que ces lanciers qui sont là bougent un peu. Parce que j'ai sectionné les trois trous, mais ça bouge pas. Bougez. Merci. Ils ont compris ou pas? Oh, il arrive coq, il a peut-être 2-8. Est-ce qu'il a compris? Là, je peux pas bouger. Ah, il a compris. Avec 3 ans de retard, mais c'est bon. Ah oui, je vous ai déjà dit que je détestais les jeux en team, en fait. Et tout ce qui est League of Legends et tout, je déteste. Mais bon, de temps en temps, jouer avec des amis, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ouais, un cavalier qui s'est fait désinguer par un autre cavalier. Sympa l'équilibre. Bon, les épées, vous descendez. Moi, je monte. Ouais, vous êtes assez nombreux. Je prends des risques énormes en faisant ça. Parce qu'il y a des cavaliers partout. Ouais, super, vous impalez les uns après les autres. Bon, il y a quand même des méchants cavaliers. Demi-tour. C'est pas une bonne idée, ça, finalement, quand tu vois qu'il y a des cavaliers qui viennent de détruire nos propres troupes de cavaliers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les cavaliers. Ah, oh, c'est original. Ça change de ce qu'on voit d'habitude. Ouais, faites demi-tour, j'arrive. Je fais Vini. Go, vas-y, charge. Charge, 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 charge. Moi, je me place là parce que il y a trop de troupes. Je peux pas taper comme ça en friendly fire. Défends vos arrières. Pas taper. C'est quoi ça? La cavalerie! La cavalerie! La cavalerie! Oh purée. Et où est le troupe qui est tourné à droite? Je me suis imaginé une armée, je sais pas. Mais... Voilà, donc armée en déroute. Pendant que ces cavaliers sont en train de s'attaquer à ça, moi je m'attaque à ça. Voilà. On va faire du friendly fire, on va limiter les dégâts parce que j'en ai marre de mourir par des cavaliers. Voilà. Et où est mon gars? Ah oui! Mais bien sûr! Oh! J'aurais pu stopper! Y'a pas des alliés là? Totalement des routes de partout. Enfin, c'est ça le jeu. Et le jeu, je fuis tout le temps. Raté. Oh, tu le sers quoi? Ça sert strictement à rien. Des piquets qui servent à rien. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Ça vous arrive de garder vos troupes près de vous là? Ah, ça va, j'ai tenu le coup. Recule, ça. Pourquoi je tape? J'ai ma souris là, j'arrive à toucher un ennemi. C'est quoi ça? D'accord, j'ai sélectionné mes trois troupes, je sais pas qui sont ces troupes ici. Oh là là. Mais il sert à quoi cette épée? Il fait des allers-retours! Il m'énerve! Tu tapes, je sais pas, fais quelque chose! Voilà, on est plus que mort, qu'est-ce qui se passe? On est encore perdu! J'ai survécu plus longtemps et je suis, voilà, avant-dernier. Ça veut dire que c'est une bonne team avec nous. Ouais, parce que tout à l'heure, deuxième avec ce que je fais, c'est pas normal. Bah, trop tard maintenant, hein. Tu peux que mourir, voilà, les archers qui sont là. Cavaliers partout, c'est pénible. Est-ce qu'il est possible d'avoir une de mouche? Je sais même pas, je peux même plus faire face à quoi que ce soit.
Je go dev, je meurs, je go attaque, je meurs. Cavalier partout, il y a des catapultes. On va faire une petite embuscade là vite fait, avant de mourir comme une merde. Genre tout peut me tuer là. Genre on va attendre tranquillement en mode embusqué total. Overspotted. On ne bouge plus, on attend. Ces cavaliers ne servent strictement à rien. Ouais, voilà, ils ont un peu plus de cavaliers que moi j'ai de lancer, donc j'ai vraiment aucune chance. Voilà, donc ça, c'est... Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces archers s'amusent à faire du friendly fire. Non, même pas. Pourquoi ça marche avec eux, pas moi. Je suis en mode, je n'ai rien à faire. Mais genre, je suis spotted. Je suis spotted là. Ça ne va pas du tout. Ils m'ont pas vu. Ils m'ont pas vu. Ils m'ont vu. Allez, bougez. J'ai dit bouger. Je te pisse dessus profondément, cavalier pourri. Oh là là, c'est 50 ans de retard. C'est pas Mako qui fait ça, c'est le jeu qui veut ça. C'est pire qu'un camion d'aide, le truc. Maintenant, je peux avancer. Je parle pas des balises, c'est encore pire. C'est... Attendez, je place. Non, ils sont un peu plus à droite. Il y a des épées qui arrivent. Vite, fuyons. Ah, on fait que ça. Bon, résumé, en fait, j'ai les lanciers, mais ils servent qu'à fuir. Voilà, donc un cavalier qui s'est joué contre un cavalier qui s'est fait totalement dominer. Hein. De rien, c'est qui est... Je sais pas qui c'est qui fait du taf, ça doit être ici. Ça doit faire tellement le taf que on arrive à reprendre l'avantage sans bien que mal. Niveau point, on en est où? Bon, il nous domine niveau point, donc on n'est pas dans le caca. Faut absolument qu'on... Ou on décime l'armée adverse, ce qui est très peu probable, vu qu'ils sont quasiment arrivés chez nous. Ah bah non, on est carrément chez eux. Non, non, je suis bête. C'est vrai, on est en bas. On n'est pas en haut. Donc en fait, quand j'ai voulu fuir vers le haut tout à l'heure, c'est que j'ai confondu la partie précédente. Oula. Un tuto, il faudrait un tuto pour ce jeu, ça serait bien. On est en alpha, ça se rattrape ça. Il y aura bien sûr les tutos et tout ce qui va après derrière. Et juste le temps que ça se mette en route tout ça. Je crois que leur erreur qu'ils ont fait dans le jeu, c'est de me voir habiter. Ouais. Toujours les mêmes. Là, non, c'est pas les mêmes. C'est pas les cavaliers, c'est des épées. Alors ici on a des piquets, des bobies. Oui. Allez, esquive. J'adore. Ah, il m'en faut un. Peut-être deux. C'est genre, il faut pas faire grand chose, c'est juste des piques. Enfin, des je sais pas. Ouais, des piquets, on va dire, avec double baliste. Des vrais, pas des faux. Ça, c'est des balistes qui tirent loin, des catapultes. Enfin, les balises, c'est les catapultes, oui, d'accord. Ouh, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a un truc derrière. Il y a un truc derrière vous! Ils sont en train de capture. C'est bon, ils ont des captures. Ils sont en train de capture. Waouh, il y a encore plein des troupes. On est à peu près à 50 troupes d'écart, c'est faisable. Bim, allez, ça tape dans le vide. Encore.
Oh, attaqué par derrière par des hommes invisibles. Bon, oh bah, adieu, hein. Bien sûr. Bien sûr. C'est pas comme si j'étais mort, je peux plus t'aider, tu sais. Ça sert à rien de parler. Ah, le forme, il était dans mon clan. En plein clan ennemi. Oula, il y a du monde. 600 contre 500 troupes. Oui, bien sûr. D'accord. Il y avait une artillerie ici, on est bien d'accord. Mais oui, bien sûr. Chargé. Il a chargé à l'envers. C'est incroyable ça. Donc ça va. On domine ici, on domine ici. On a repris l'avantage niveau troupe, par contre c'est en train de capturer, donc j'aimerais bien que ça def un petit peu. Mais genre qu'il arrive à toucher ici. Et là on a repris l'avantage niveau troupe. On a 50 secondes, oh, on n'aura jamais le temps de capturer. Je suis dernier, c'est normal. Mais c'est tout à fait normal que je sois dernier. D'ailleurs, c'était absolument pas normal que je sois deuxième. Il y a 5900 à 5400 derrière. Là, on avait 4000 et 3000 niveau points. Donc, on sait largement qu'on a perdu. Donc, il va falloir capturer très, 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 très vite. Sachant que leur base est là. Qui s'est occupé à empêcher le drapeau de tomber, là. Ah voilà, 2%, il nous reste 15 secondes. Là, le but c'est de vraiment marquer le maximum de points. Et on a perdu, il reste 10 secondes, on n'aura jamais le temps de tout capturer. Ouais, le plus faible est à 900 points, donc ça va. 1500, ah oh, je suis pas dernier. Il est à 1800. Voilà, perdu, parce que le temps est écoulé et qu'ils ont à 5009, à 5005, à 3009. Et nous on a à 4005, 3009, 3006 au début. Ce qui fait qu'on avait à peu près 2-3 000 points d'écart rien qu'avec les 3 premiers. Mais ça fait de l'XP. Bon, est-ce qu'il serait possible que je ne fasse pas de rencontres fastidieuses quand je me déplace? Parce que tout à l'heure, là, piqué plus cavalier plus archer derrière, ça pique un peu. Hein. Ça fait mal. Faut que fuir. Le stream du trouillard, je fuis. Faut procéder intelligemment. Un peu de conscience professionnelle dans ce domination mondiale. Là, on a le temps d'AFK bio tranquille. On va se servir un petit coup à boire. Tac. Oh, une bouteille vide. J'en ai une deuxième. Elle est pas belle la vie. C'est du cacher ton bien que mal l'étiquette, mais tout le monde sait ce que c'est. Hein. Qu'est-ce que j'ai l'air bête à regarder cet écran, sérieux. On peut regarder un porno, mais c'est... Même pas jouer un autre jeu. Yardis, il se fâche tout rouge à cause de ça, il me coupe le jeu. Je vous fais une démonstration. Je vérifie si j'ai ce qu'il faut, oui. Je vais enclencher un démineur. J'ai l'air rien de bien méchant. Démineur. Je peux commencer à jouer à démineur. Voilà, pour l'instant tout va bien.
Sauf que l'écran est un petit peu bas, voilà, je vous l'agrandis un peu. Hop là, voilà, c'est bon. Là, je peux commencer à jouer tranquille. Mais dès que j'ai envie de reprendre des nouvelles de Total War, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous le voyez? Non, vous ne le voyez pas? Je vous le mets. Pour que vous puissiez bien voir que je peux pas jouer vraiment à ce jeu. Capture de fenêtre. Voilà, ça c'est bien. Une erreur critique. Donc voilà. Échec de la création du périphérique DirectX. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, il me confisque le jeu des mineurs. Ce qui est un peu moche. Donc du coup, je peux pas jouer à des mineurs et regarder si ça évolue ou pas. Sachant que je suis actuellement à 39%. Ou alors, je vais sur Internet et je fais un autre truc. C'est genre, je vais faire un robot Unicorn Attack Evolution. Ça, je pourrais peut-être. Moins que Java veulent me tuer en même temps. Donc du coup, on est condamné à regarder ça. Et qu'une fois que c'est enfin chargé, il y aura affiché défaite au bout de 30 minutes. C'est limite, j'ai une chance seulement contre un mec qui est AFK. Ouais, un coup t'es rapide, un coup t'es lent. Thermopile, hein, ça change. C'est oui, oh là là. Oh là là, celui-là aussi. Alors je précise, il y a trois cartes différentes. Enfin, j'en ai compté trois personnellement. Ni plus ni moins. Trois champs de bataille. J'en ai quasiment aucun. Mais moi, ça fait varier, il y a des stratégies comme ça. Je veux dire, il y a quand même. On est à l'alpha fermé, il y a à peu près autant de cartes que sur League of Legends, alors que ça fait des années que le jeu existe. Je dis ça, je dis rien. Mais je précise que ce sont des champs de bataille non équilibrés du tout. Hein. Là, je peux pas vraiment dire, je suis pas assez doué, j'ai pas assez d'expérience pour dire quel côté est avantagé par rapport à l'autre. Ouais, c'est bien sûr. Alors je précise, il y a plusieurs passages. Milieu, là où il y a quasiment jamais personne, ou là où il y a que tout le monde. Cette grande zone très stratégique, ici. Et ici. La petite forêt qui est là pour tenir les embuscades, mais comme il y a du monde au milieu, il est très difficile de maintenir le poste. Alors là, vu qu'on est à droite, je crois qu'on sera les premiers à arriver ici. Et il y a un petit passage derrière, une petite zone de plage qu'on peut faire. Alors les gens veulent faire blocus ici, alors il faut que je mette mes lanciers là, je vais me mettre en 12. Essayez de mes lanciers ici, sachant que... Désolé, hein, c'est pas moi. Moi je suis en mode je pointe, hein, je bouge, mode souris là en bas à droite. Donc je disais donc oui que j'allais bien les hum-hum avec le magnifique dessin par ici, en espérant qu'il n'y ait pas de cavalier ici. Il y aura une petite balise qui va défendre un peu près le middle, donc il va falloir que je pote en même temps. Ça va fouille en plus. Voilà, donc sur le papier ça sonne bien, mais en pratique. Hein. C'est ça la stratégie, mais elle marche pas. Alors là, je suis bien content, il y a des troupes de cavaliers qui sont là, grosse attaque. Il faut vraiment que je sois le premier arrivé là. Comme ça, je spotais tous les archers qui spotent ici pour les cavaliers. Ouais. Il y a des embuscades là, je suis prêt à intervenir. Je me dépêche, je me mets en mode Vini. Vini. Hop, accélération brutale, j'en ai rien à faire de mes pouvoirs que je les utilise jamais. Après, je peux me mettre en mode Focus Fire, focus une zone, je sais qu'ils sont là, bim bim bim. Ça sert à rien d'être camouflé. Mais il faut que j'y pense, mais ça, c'est des trucs que je pense jamais. Tellement dans le feu d'action à essayer de fuir. Pour l'instant, on a de la chance, il n'y a personne. Ok, oh, oh là là, comme par hasard. Ah oui, mais je peux pas si j'attaque pas les archers. Ouh. Ah non, les archers sont là-bas.
Oh, on est bien. On est même très bien là. Fais pas de bêtises avec tes cavaliers, il y a des piquets. Ouh, il y a des gros morceaux là. Yeah. Mais cover me. Il ne cover pas. Je peux pas les toucher d'ici. Comme par exemple, je peux pas les toucher d'ici. Je peux les toucher avec ça? Non, j'ai pas la portée, toujours pas. Je suis obligé de faire le tour. Cavalier s'attaque à cavalier. Là, 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 là. Toujours pas. Ah oui, fais venir les cavaliers. Non, les fais pas monter. Non, je suis mort. Je suis mal placé. Je suis cercueux comme un gros tard. Ok, ils sont en train de faire le tour. En train de monter comme des imbéciles, c'est bien. Focus fire. Focus fire. Non, pas focus fire. Go attaquer en masse ici, là. Fuyez. Il y a des cavaliers, je vais mourir. Stopper la charge. Stopper là. Je pourris. Vous attaquez. De toute façon, j'ai des lanciers, ils servent qu'à tanker de toute façon. Go. Oh, c'est un mauvais cavalier, il arrive pas à tuer mes over défoncé. Oh là là, c'est quoi délire? On est bien plus nombreux que eux. Vini, c'est où le Vini? Vini, il est prêt le Vini. Go Vini. Tu vas bien, c'est juvénile. Vini. Viens dès la bambang. Par là. Et puis tout à l'heure, je focus ici, ce groupe s'en va par là. Je me fais défoncer. Fuyez. On va en pas aller celui-là, on s'en fout. On passe après. Le but c'est de se protéger. Purée. Les sectionnés les trois, hein, en mode fuite totale. De toute façon, ça sert à rien de rester. La godef. Je les sers bien comme d'habitude à rien parce que si j'étais là, tous les troupes étaient là. D'habitude, il y a un gros combat qui est là. Et ça ne se passe jamais comme je le veux. Bah là, on s'est fait rouler dessus, non? Oui, ça va. Voilà. On les domine par la gauche. Bon, bah, du coup, moi, je vais go def. Hein. Je vais aller aider les... Ah ouais, le mec, il a 3 catapultes, il a... C'est un courageux le mec. On est bien d'accord que le... Oh, oh non, j'y crois pas. Je suis encore mal placé. Pour une fois, regardez, ils sont bien placés là. Et comme par hasard, je bouge, ils sont en train de fuir. Non, ils sont en train de foncer dessus. Je me dépêche. De toute façon, il n'y a rien à def là-haut. Il y a 1100 à 1200. Rouler dessus des archers, j'ai pas la portée, des épées, je suis mal placé. Il y a ça qui est en cercle, mais tout le monde s'en fout. Comme par hasard, j'arrive, ils arrêtent de bouger pas plus loin que là. Je vais revenir ici, je vais tomber sur des cavaliers. Comme par hasard, là, ça bouge comme par hasard. Enfin, ça a pas bougé jusqu'à ce que j'arrive, et comme par hasard, j'arrive, les cavaliers s'approchent. Parce qu'ils sont en train de s'attaquer aux cavaliers là. On va essayer. Est-ce qu'on peut toucher là? Mais bien sûr que non, on n'a pas la portée comme d'habitude. Oh si, attendez. Oh ça touche. Où ça touche? Oui ça touche. Ça touche dans le vide. Ça touche. Par exemple là, ce groupe là n'attaque absolument pas. Voilà, on a fait des points gratuits. Non, on court. Non, faut rester camouflé. De tarde. Non, on est à 1018 à 1074. On a fait quelques kills, c'est bien. Ah, ils sont full def.
Sous une troupe. Ah oui. On est bien là-haut. On ne bouge pas. Notre but, c'est vraiment de pourrir la vie. On ne bouge pas, on reste ici. On va mettre un groupe ici. On va mettre un groupe ici. Parce que j'aime pas quand ils sont coupés. Bon. Au niveau des points, on est bien? Ouais, on est dans la moyenne. Par contre, on arrive les uns après les autres. Faudrait que tout le monde arrive en même temps. Je peux pas bouger. Il y a des piquets, il y a des artilleries qui sont là. Il y a des piquets en face qui sont tout là-haut. Par contre, faites demi-tour les gens. Là, je dirais que le... Qu'ils se mettent, voilà. C'est ça que j'aime pas trop. Voilà, ils ont tous la vision ici. Prêt à thé. Voilà, donc là, si je suis pas spoté, je comprends pas. Enfin, genre... Pas une disposition spéciale là à faire. Non. Et tous alignés. Pas de la façon qu'on veut. Voilà, là, vous êtes pas très voyants. 900 à 800, on est bien, on a pris l'avantage. Par contre, ça risque de capturer. Il n'y a plus personne chez nous. Il n'y a plus personne, il faut absolument qu'on aille. Je vais juste envoyer ces troupes là parce qu'ils servent à rien. Il faut vraiment que j'aille def un peu. Il n'y a quasiment plus de cavaliers là. Allez, les piques. Faut que je fasse gaffe, sinon il n'y a personne. Archer là-bas, je m'en occupe. Allez, go! À l'avantage. Bon, allez, vite fait. Oh là là, ça a touché, j'espère. Je sais même pas si ça a touché. Oh putain, il y a des archers à mort ici. Gigot, gigot, gigot. Oh, on n'a pas la vision de là-bas. Personne! Je crois pas. J'ai fait quand même qu'il n'y ait pas d'ennemi. C'est space. Ça, c'est incroyable. Ah, on peut y aller, hein. C'est le groupe 2 qui est à gauche et c'est les deux autres qui sont là-bas. Je passe devant. Oh là là. Il faut qu'on capture... les arbalètes et on va faire diversion, on va défoncer. Go défoncer ça. À une meilleure portée que go. Adieu mon cruel, oui. Mais tapez. Il tape. What the fuck? Oh putain. Garde la vision là-bas. Oh les cavaliers. Cavalier. Toi deux. Merci. Go 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 go. On est bien d'accord qu'ils ont paniqué là. Go.
Go. Mais non. Mais non. C'est n'importe quoi, ça m'agace. Juste des pops ça. Tu peux m'aider à m'occuper des petits piquets qui sont là. Et mes groupes 2 là. 400 à 500, c'est faisable. J'ai un décalage. J'ai un décalage. Est-ce que je jette des pops? Oui, je jette des pops. Ok. Il faut finir ça quand même. Ok, piquer. Non, je me suis trompé de troupe. Non mais non. Go go là. T'as une fire pourrie. Je vais vous laisser taper là. Voilà. Non 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 non. Putain, je confonds les trucs. Donc le 3 est en bas, le 2 est en haut. Le 2 part en haut. Il fait défoncer. Encore un peu de 1. Attendez, le 3 est en bas. C'est le 1 qui va s'empaler. J'espère que le 2 est en train d'attaquer là. C'est quoi ça encore? Ouais, ils sont morts là. Ils sont morts. Je vais me faire démolir. Oh putain, pas Friendly Fire en plus. Non mais c'est moi qui a fait tout le taf là. C'est moi ça. C'est vraiment moche. Alors tu le tues ou pas là? Go finish. Ok. On a fini deuxième quand même. Défaite. Fouah, ça m'énerve. C'est normal, j'étais deuxième au point. C'est que c'était vraiment une team de bras cassés. On a quand même fait le taf. Hein. Ah, on a fait 242 pour 208, c'est pas mal. Voilà, 5900 à lui tout seul. 3006, 3005 secondes, 3004, 2007, non, 2005. Voilà, une petite victoire serait pas de refus quand même. Et vraiment, ça commence à me saouler. Hein. Surtout quand on a super bien géré à la fin, qu'on avait plus de troupes que eux, qu'on n'arrive pas à capturer, mais qu'il y en a un qui a fait tout le taf de leur team. C'est tellement mieux sur CS.
Le hit and run est tellement plus simple, hein, le truc, le temps qu'ils se retournent, qu'ils sont en train de tirer, de... Alors en plus moi c'est des javelots, donc normalement quand tu te retournes c'est direct flanc. Ou sinon tu le piques comme ça, je sais pas. Mais non, moi mes troupes ils savent pas faire ça. Eux ce qu'ils veulent c'est... Attends, je suis pas sûr. Et là je lance. Ils sont aussi lents que les archers avec une rampe plus courte. Regardez ça, leur vitesse d'attaque. Mais là, quand je fais ça, c'est que d'un seul coup, ça monte. Donc, visibilité run, ça c'est bien. Le range, il est 55, c'est très petit. Hein. Missile damage, on est à 160. Ouais. Missile block, on s'en fiche. On s'en fout. Morale, il, on s'en fout. Ok, ça c'était ça. Donc il n'y a pas de vitesse d'attaque. On voit pas la vitesse d'attaque. Et donc les archers qui sont là. Non, non, ça c'est pas vrai. Ils font pas 80. Ah si, ils ont une range de 95, voilà. Je me disais aussi. Ils ont pas une range de 95 000 troupes. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai des trucs qui bug, ça va pas. Range 55, ça c'est bon. Ah oui, je peux pas aller au prochain. D'accord. Je voulais juste voir le prochain. Normalement, normalement tu peux en faisant ça, mais bon. Ouh. Ouais, je peux vraiment pas le faire là. C'est nul. Ah, je crois savoir pourquoi. C'est dans la baraque qu'il faut faire ça. Mais oui, c'est dans la baraque qu'il faut faire ça. Même pas. Mais non, ça le faisait avant. Je dois bugger. Ou c'est parce que je suis en file d'attente. Normalement tu faisais ça, tu cliquais dessus, sur le prochain niveau. Et normalement ça t'emmenait directement dessus. Oh, il a dû y avoir une petite mise à jour comme ça là. D'ailleurs c'est nouveau ça, ça y était pas avant. Avant fallait cliquer et mettre... Oula, c'est rien, j'ai changé d'écran, paf. Normalement tu fais la liste. Je sais pas, je veux pas. Bon, c'est dommage, j'aimais bien, mais... Bon, tant pis. Ah oui, d'accord. J'ai compris comment ça marche maintenant. Donc on sélectionne et après on s'en fiche, on peut voyager, on voit les différences. Donc là, les archers, on devrait voir la différence. Non, ça va pas du tout. Je suis désolé, mais les archers ont une meilleure range que ça. Ils n'ont pas une range de 50. C'est pas, on est à 100%. Normalement, ils ont une range quasiment double de celle des lanciers. Mais j'arrive pas à le voir, c'est pas normal. Super, j'ai bugué! Je peux plus, ça y est, je peux plus lancer. Je crois qu'on va s'arrêter là. C'est bon. Regardez, ouais, c'est bon. J'ai eu peur. J'arrivais plus à retourner sur le jeu. Ça arrive de temps en temps que ça bug comme ça. Je dis ça pour un mec qui dit que ce jeu, pour un jeu alpha, n'a pas beaucoup de bugs. Il y en a quand même. Et pas des petits, hein, c'est des pénibles parfois. Surtout quand on a une connexion limitée. Ouais, on verra pas la troisième map ce soir. Merci pour changer, j'allais en forêt.
J'ai jamais été là-haut. On va aller en... Non, pas en 3. On va aller en 8, on va aller derrière quand même. On va essayer de passer par le haut pour une fois, au niveau de la forêt, j'ai jamais été. J'ai toujours été au niveau du Colisée à chaque fois, et à chaque fois je me fais rouler dessus parce que... Parce que là, par exemple, j'étais ici, et là, il y avait des cavaliers, des piques et des archers. Alors que moi, j'ai que 3 lanciers. Déjà, la caméra est mal placée, je vais la voir. Ah, franchement, vivement que je pars sur des vraies troupes. Savoir, je crois que je vais partir sur les catapultes T4 en passant par les balises T3 parce que là, si je pars sur les balises T5, je vais encore avoir un range complètement moisi. Pour poser des pièges, ça me plaît pas. Je préfère mieux partir sur catapultes qui foutent feu partout. Ah, c'est par là le haut. What? On peut pas aller là-bas? Ah, d'accord. En fait, ça c'est pas la map, ça. Ah bah, tu m'étonnes qu'on y va jamais vu qu'on peut pas y aller. Le mec il connaît rien au jeu du tout. C'est parti. Oh. Un jeu pénible, on comprend. Je sais pas, il aurait pu mettre une petite frontière verte pour au moins de couleurs qu'on arrive à différencier. Parce que là, par exemple, là on peut y aller. Et là on peut y aller. Et là on peut plus y aller. Mais il n'y a rien qui dit qui limite ou pas. Faut faire un Vini. Attention, Vini. Oui. Il y a des cavaliers derrière. Ouais, avec une grosse troupe. Normalement, les cavaliers ne m'attaquent pas. Donnez la vision. J'ai laissé la vision là-bas. En espérant que tout aille bien. Voilà, parfait. On va avoir la vision dans peu de temps sur YouTube. Voilà, les lancers sont en train d'attaquer. J'ai de la vision. J'ai de la vision, les gens. Tenez bon. On est beaucoup plus nombreux qu'eux. On va les défoncer. Les cavaliers. Continue à donner la vision. Oh là là, on va se faire défoncer. Non, c'est raté. Oh la vache. Absolument que j'enlève la vision de l'ennemi. Yes. Number one, c'est Bibi. Oh, c'est quoi? C'est ennemi, ça, c'est pas allié. My god. Non, go finir ça. Go finir ça, il n'y en a plus là. Ouais, il n'y en a plus. Non, on a la vision. Je vais finir comme on peut. What? Yes! 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 On va tuer un cavalier! On va tuer un cavalier! Non! Yes! On les a défoncés! Voilà! Téléportation de masse!
Non, pas bouger, pas bouger. Vous restez là. Mais la portée de malade. Mais genre, il arrive à toucher de là. Oh là là. Il doit y avoir du lag. Il arrive à voir la vision. Et je gère bien. Mais d'où il me voit? Je vois pas l'ennemi. Il arrive à me voir ou à me deviner de je ne sais où. On a les gros troupes de cavaliers qui vont faire tard, ça c'est bien. J'espère qu'ils vont tenir jusqu'au bout parce que je vais pas mourir. Oh, oh sympa. Je me suis fait dérouter, je sais pas comment. Fait désinguer. Ça va rien, je sors juste à fuir. Je peux plus rester là et attendre. Attendre la capture là, c'est un coup. Les troupes archers, oui. L'artillerie là. L'artillerie ici. De toute façon, tant qu'ils se posent et tout, on est pas mal. Voilà au niveau, oui. Ah oui, on est très bien là. 8, 9, 10, 11. Oui, on a 300 d'avance. Tellement bien placé. Par contre là-haut il y a encore tellement d'archers, tellement d'artillerie. On va vraiment se débarrasser d'eux. Je peux rien faire, personne de mon côté, mais c'est bon. Pas mal. Alors qu'est-ce que fait l'artillerie qui est avec nous? Il fait du friendly fire ou quoi? Il est là. De trucs, il y a des piquets qui peuvent rien faire. Oui, les artilleries qui sont en train de tomber les uns après les autres, alors qu'il y a des piquets qui sont là en train d'essayer de capturer dans peu de temps. Tu es bien. Voilà la charge. Mais c'est quoi ce délire? C'est des archers, c'est pas vrai. Bon, sur là, moi je suis bien. Donc, on va quand même bouger parce que ça sert à rien de faire autre chose. Là. Il ne manque plus rien. Ah, si, il y a encore des gros troupes d'archers. Tellement de cavaliers. Bon, allez, go capture. C'est tout ce qu'on peut faire. Ouais, il y a encore un gros groupe de piquets. On va s'en occuper. Alors, je rappelle, ce sont les troupes 2 et 3, c'est ça. Ouais. Alors, 600 hommes, on a deux fois plus d'armées que eux. On est en train de commencer à capturer en premier. Il manque plus d'archers. Les lanciers, il y a des gros troupes de lanciers qui va les défoncer. Oui. Alors, là, si on la perd, franchement, c'est vraiment. C'est pas qu'on joue mal, c'est que le jeu ne mène vraiment pas. Donc, faut arrêter les bêtises. Là, je vais être dernier. On se voit 2100 points. Ça. On aurait pu faire pire. Oh, il y a des piquets partout. Quand on est piqué, on envoie les lanciers. Non, Prems. Attends, je vais faire un Veni. Putain, j'y arrive. Veni. Viens de la bande. Plus combien? Ils sont plus que 600. Pas de friendly fire, mon ami. Pas de friendly fire, regarde. Il y a encore des pics ici, on peut le défoncer. Il fait du friendly fire. On voit ça. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça. Le voile. Non, je me trompe. Comme ça. Une flèche ici. Voilà. On va
je vais essayer de décider. Et on les défonce. Les piquer avec nous? Non, il n'y a pas de piquer. Toute leur armée qui sont là-bas. Avec go lancier, go lancier. Go lancier. Je suis en train de nous attaquer là. Ah, il a fait demi-tour au dernier moment. Il est méchant, je... Non, pourquoi il fuit là-bas? Ils sont plus que 300, on va pas y arriver. Il y a encore des petites troupes d'archers là-bas. Je vais m'occuper tout de suite. Vous finir ça, allez, bim. Non, pas de friendly fire. Pourquoi des piques? Pourquoi il envoie les cavaliers sur les piquets, sérieux? Pour la paix, je te fais des friendly fire, on a rien à faire. C'est vraiment nul. Fuyons, fuyons. Il y a tellement de troupes maintenant. On va t'occuper de ça. Vous venez. Bibi, bim. Easy win, 7v10. Bah voilà quoi, c'est comme ça qu'on gagne. J'ai des friendly fire. Je fais des points, ouais, 2600 points. Moi, ça va être sur une victoire, ça sera déjà pas mal. Défaite, vous avez conquis la base ennemie. On est plus à ça près dans le jeu. Donc 66 troupes ennemies, voilà, c'est les derniers. Je vois pas comment ils vont faire pour remonter. Hein. Alors, oh là là, 7100 points le mec. Et toujours vivant en plus. Ouais, il est là avec ses cavaliers. Oui, ils avaient tellement fait de taf avec tous les artilleries, les archers qui s'est fait là-bas. À peu près dans cette zone. On voit les morts ici. Les morts là. Et une course-poursuite ici. Et ils a tué ici. Ah, je sais où sont les derniers, ils sont là. J'aurais dû le tirer dessus depuis le début. Victory! Enfin! Et comme par hasard, je gagne encore moins d'XP que si j'avais une défaite. Cherchez la logique. Mais enfin. Ça pouvait être mieux, ça pouvait être pire. Ah non, ah oui, on s'est fait vlad d'XP finalement. 147, 80, 122. On s'est fait la blinde. On va pouvoir faire des trucs en plus là. On va améliorer le range. 6 de range, 14 missile damage. Ici on a plus 5% de déplacement, plus 15 points de visibilité. Ici on aura plus 11 d'armure, on s'en fiche. Et là encore plus 5 de speed. Ouais, c'est ça qu'il va falloir monter après. Mais je crois que la prio, non, je vais plutôt monter ça tout de suite. Comme ça. Je monte T5 en même pardon et en même temps je monte E encore un peu comme ça au moment du T5 j'aurai ces balistes. Ah voilà, ça a évolué. Donc voilà, c'était bien ça. C'est tant qu'on n'est pas en match, ça sert à rien. Ça c'est les grosses balises qui ressemblent à des catapultes. Ça c'est les balises tout pourries. Pourtant c'est du T5, hein, mais ils ont un range de 160, ce qui est très très faible.
Après, comme j'ai dit, ce que je peux faire, c'est partir T4. Enfin, d'abord partir T3. Monter ça, ça, paf. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, pour 1700, je m'occupe des catapultes et comme ça, j'ai une range déjà de 400. De base, après, j'aurais juste encore à intervertir. Est-ce que je peux déjà faire des trucs? De toute façon, j'ai des lanciers au cas où ça tourne mal. Je peux faire des épéistes en même temps que de monter mon XP. J'ai déjà 120 en plus. J'ai déjà mes missiles unités. Je vais monter comme ça. Bref, 320. Plus 300, on va sur les 1000 et quelques. Je verrai ça en temps et en heure. Alors, est-ce que j'ai autre chose aussi que je pourrais faire? Il me faudrait des piquets anti-archers en fait. Niveau armé. Alors, T1. Les épées qui vont évoluer en P. Non. Voilà, c'est ça qu'il me faudrait. Fort contre ça, weak again. You need to end up again. Oui, ça je sais. Mais bon, c'est fort contre les épées. T3, ça coûte pas cher. Je vais rester en temps et en heure. Allez, sur ce, moi je m'arrête là pour aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, je suis pas très doué pour ce jeu. Par rapport à d'autres, hein, comme dans Hearthstone où je suis plutôt doué, vu que là c'est du tour par tour, on a tout le temps de réfléchir. Ça c'est bien. Non, non, c'est en temps réel, c'est tellement lent à tirer, etc. que j'ai du mal à gérer. Je suis trop nerveux sur ce jeu. Bon allez, sur ce, moi je vous dis à vendredi prochain sur le jeu sport. Là, ce dimanche, je sais même pas qui stream. Je ne sais pas, je crois qu'il y a quasiment personne qui stream le dimanche. Si, je crois. Je suis pas sûr. Alors, je vais vous dire ça tout de suite parce que ça bug. J'ai tout le temps encore. Facebook. Unsafe. And safe. Gaming. Alors, qui sera notre fameux streamer surprise demain? Ou plutôt tout à l'heure dans la matinée? Ah si, il y a quand même les trolls qui jouent. Donc la team troll se réserve le créneau de 10h à midi. Ou plutôt de 10h à 13h. Oui, il y a un décalage, je crois. Mais en tout cas, ils vont streamer dans la matinée du dimanche. Entre 10h et 13h, c'est ce qui est marqué. Ensuite, il est possible que Karma stream du Total War. Donc, du League of Legends le matin, l'après-midi, surprise du chef. Et la soirée, surprise du chef aussi. Voilà. Quant à moi, je streamerai vendredi soir 21h sur le jeu sport. Ou à nouveau samedi prochain sur le jeu Hearthstone. Allez, moi je vous dis bonne nuit parce que là je suis fatigué. Et tchuss les gens!